Coucou famille. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ma vidéo a disparu. Peut-être que j'ai mal appuyé en partageant, je devais enregistrer. Donc je reprends encore une autre vidéo. En attendant les enfants. Je disais que je voulais vous réitérer mon amour pour vous. Vous dire merci du fond du cœur pour tous vos likes, vos partages, vos messages, vos commentaires. Vraiment ça me rend heureux, ça me rend comme un enfant en fait. Que Dieu vous bénisse richement. Et puis, ne laissez pas la haine des autres ralentir votre joie de vivre. Parce que la joie de vivre te permet permet à Dieu aussi de... Quand Dieu te voit content là, Dieu même est content de ta joie. Dieu même se réjouit de ta joie parce que Dieu aime les enfants joyeux. Donc ne laisse pas la haine des autres. Parce que tu as te dit à telle personne, quelque chose que tu as fait, tu auras toujours des personnes qui vont pas t'aimer, qui vont te détester pour ce que tu fais. Mais ne laisse pas la haine des autres à te ralentir dans ta course. Tu sais pourquoi tu es sur terre. Tu es là pour vivre. Tu es là pour profiter de la vie. Tu es là pour te battre. Tu es là pour chercher les moyens à réussir à atteindre tes objectifs. Tu as regardé quelqu'un, tu as dit non, la personne ne m'aime pas, donc tu vas arrêter de vivre. Tu as dit cette personne ne m'aime pas parce que cette personne est là-bas, je ne vais pas à cet endroit parce que cette personne... Ma chérie, il faut vivre ta vie. Mon frère, il faut vivre ta vie. On n'a qu'une seule vie. Oh. La vie, là, c'est maintenant. Un jour au jour le jour, un jour à la fois. Il faut profiter. Les gens qui disent, ah, elle est vieille, elle est comme ça. Il n'y a pas d'âge pour la joie. Même à 100 ans, à 60 ans, Dieu t'a donné la grâce, il faut profiter. Tu as régalé pour dire, tu ne fais pas maintenant, à quel moment tu as fait. À quel moment tu as fait. Donc, il faut profiter de la vie. Bon arrivée au nouveau venu. Chez moi, sur ma page, il n'y a pas de règle. La règle, là, c'est d'être content. D'être contente, pardon, ou d'être content. Et puis, de tout relativiser. La vie n'est pas facile. Je n'ai pas dit d'être... Il faut être réaliste, en fait. Mais, il faut partager la joie. Il faut partager le bonheur. Il faut apporter un plus. Si tu ne peux pas arranger, il ne faut pas gâter. Si tu ne peux pas apporter un plus... Tu regardes les vidéos, tu regardes les trucs, tu passes. Mais il ne faut pas venir démoraliser les gens. Parce que si cette page-là, c'est la joie, on distribue. Maintenant, on revient aux Ivoiriens. Supportez. N'ayez pas peur de goumet. N'ayez pas peur. Tu es Ivoirien, tu es Ivoirienne. Il faut supporter les éléphants. C'est vrai. Souvent, là, ils partent jusqu'à... Nous tous, on a mal au cœur. Moi, est-ce qu'on peut dire ancien pays? On ne peut pas dire ancien Ivoirien. C'est ton pays, tu as fait comment? Tu es obligé de supporter. Goumet ne tue pas. Si tu as un cœur fragile, il ne faut pas regarder le match. Mais si tu es jeune, tu as le cœur, tu as la force, il faut continuer. Il faut supporter. Et ceux qui sont partis en Égypte, qui ont pris, qui ont risqué leur vie, qui sont partis en Égypte, là, vous allez dire quoi d'eux? Vous-même, vous n'êtes pas partis, vous êtes là, on est au loin. On peut les soutenir. Si tu ne peux pas les soutenir, aller crier là. Tu peux les porter en prière. Il y a des gens qui ont dit non, si je les supporte trop là, imagine s'ils perdent. Pourquoi tu as parti avec l'instinct de défaite? Tu vas en guerre, tu ne vas pas avec la défaite. Tu te dis que tu vas gagner. Tu te bats jusqu'au bout. Eux-mêmes, là, ça ne leur fait pas plaisir parce qu'ils partent aussi pour leur honneur. Ils partent pour leur famille. Ils partent pour leur travail. Donc, vraiment, soutenez-les, pardonnez. N'aie pas honte de dire, ah, je les supporte. Si je montre que vraiment, je les supporte, maintenant, après, là, les gens vont rire. Depuis quand la honte tue? Depuis quand la honte tue? Hein? Et puis, si on se moque de toi, ça fait rire. C'est ton pays. C'est la Côte d'Ivoire après tout. Hein? Donc vraiment, Côte d'Ivoire, hoye, éléphant, hoye, quel que soit l'endroit où tu es, sois fier de ton pays, sois fier, tu es ivoirien, tu es africaine, arrêtez là, tu ne seras jamais blanc, tu ne seras jamais blanc. Donc, mon cher, il faut être fier, il faut supporter, pardonner, joyeux-vous à mon club, la joie, on va supporter la Côte d'Ivoire, on va supporter les éléphants, vous avez compris, mais il y a des gens qui ont dit peut-être c'est le buzz, on cherche, on s'en fout, c'est notre pays, on fait comment? On est obligé, on gagne ou on gagne, c'est ça même. Bonne chance aux éléphants, que Dieu les accompagne, la grâce de Dieu, c'est ce que je dis. Dieu n'a qu'à jouer pour nous. Ils vont faire de leur mieux, mais Dieu n'a qu'à dans leurs pieds. Et puis ils vont marquer, ils vont massacrer tous ceux qui croient sur leur chemin là. Et puis maintenant la coupe là va nous revenir. Parce que quand il y a ballon là, tout le monde est unanime, tout le monde est content. Donc peut-être que ça là, avec la coupe là, avec le truc, ça va enchaîner encore un vent de paix encore en Côte d'Ivoire. Ça va créer encore l'unité. Qui sait? Ah! Donc vraiment, Dieu nous facilite. Et puis maintenant, avec la joie, vous allez voir. On va gagner. On va gagner.
Moi, je suis confiante, hein. Je suis confiante. Où est partie votre foi? On a la foi ou on n'a pas la foi? Hein? On a qu'à les supporter, hein. Oh, en tout cas, vraiment, merci, oh, merci du fond du cœur. C'est tout ce que je voulais vous dire, hein. Je vous souhaite un très bon après-midi. Il est 18h passé ici, mais on a un beau soleil. Il fait tellement beau. Moi-même, j'ai envie de danser. Mais je suis fatiguée. Travaille trop. Je travaille, les enfants. Je suis fatiguée. Souvent, moi-même, je m'assois, non. Et puis, je dis, on me paye combien? Il y a une insulte. C'est pour ça que je dis que moi, ma joie de vivre, là, ça me vient de Dieu. Parce que quand il commence à danser, là, j'oublie mes problèmes. Quand il commence à danser, là, j'oublie tous mes problèmes. Je suis dans un autre monde. Je suis au pays des merveilles en même temps. Et puis, comment dirais-je? Ah, cette année, la coupe, c'est tout. Armandabel, la coupe, là, cette année, c'est pour nous. Vous avez peur de prophétiser sur la coupe. Prophétisez, dites que c'est pour nous. Et puis, ça sera pour nous. Ce qu'on dit, là, c'est ce qui vient. Hein? Si tu es fleque, là, ta cause, je te comprends, faut te mettre de côté. Si tu n'as pas, ton cœur ne tient pas trop, là, faut te mettre de côté. Nous, on va. Mais si tu ne peux pas aussi, faut prier. Mais pardon. Je ne veux pas dire qu'ils vont perdre, on ne peut pas compter sur eux. Parce que même si tu attends que même ils partent en demi-finale, là même, c'est encore plus pire. Parce que vous n'avez pas remarqué, au moment où on commence à compter sur eux, là, c'est là qu'il y a déception. Donc c'est mieux de commencer dès le départ à les soutenir. Je ne sais même pas si c'est ce que je dis cohérent, mais c'est mieux de les accompagner dès le départ. Dès le départ jusqu'en finale. Hein? Tu es là, tu n'accompagnes pas. Maintenant, quand tu rentres bien, c'est vous-même, quand vous rentrez en cours de route, là même, là, c'est vos ondes là même qui fait que souvent même, ils ne gagnent plus. Donc, toi qui n'es pas au départ avec eux là, faut pas rentrer au milieu, hein, pour dire que non, ça commence à être bien, ils commencent à gagner, maintenant nous on est dans la course. Commencez dès le départ à les soutenir. Français aussi, il parle aussi, oh, à les soutenir. Amen. Inès, on a déjà gagné, c'est ça qui est la vérité. Vous avez dit quoi, Ivoirien parle trop, faut pas avoir trop parlé. On parle pas, on parle aussi. Ce que Dieu a décidé pour la Côte d'Ivoire, pour les éléphants là, c'est ce qui va se passer. Donc c'est mieux de parler. Tu parles pas à quel moment tu vas parler. À chaque victoire là, c'est parler. Vendredi, là, il y a match. Donc, vraiment, on gagne ou on gagne. Ils vont jouer, mais Dieu n'a qu'à faire le reste. Dieu n'a qu'à faire le reste. Moi, je suis là, il danse seulement pour eux. Je suis là, il danse. Bon. Bisous, je parle trop. C'était juste un petit coucou. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma vidéo, là. C'était pas trop waouh. Donc, peut-être que j'ai mal appuyé sur le truc enregistré ou bien envoyé. Mais cette fois-ci, là, je l'ai bien fait. Voilà, prenez bien soin de vous et puis continuez de danser. Toi, tu ne peux pas danser, tu ne sais pas danser. Moi, je ne sais pas danser. Oh, ouais, il n'y a pas de cohérence dans ma danse. Je ne sais pas danser, mais je suis contente, je m'amuse. Donc, amuse-toi ta manière. Tu es maman, tu es grand-mère, tu es papa. Il faut profiter de la vie. On a toujours gardé ton âme d'enfant. Ton âme d'enfant, où est-ce que tu passes ta joie de vivre? Ta joie de vivre, là, les problèmes. C'est vrai qu'à un moment donné, quand les problèmes là sont trop là, tu te perds. Mais pardon, retrouve tes repères. Je t'ai toujours dit, retrouve ta force quelque part. Recherche ta joie de vivre quelque part. Regarde Dieu. Regarde à Dieu. Regarde le ciel. Regarde la nature. Moi, je peux voir une des personnes que je ne connais pas en train de marcher. Le fait de s'attraper la main en train de marcher, elle me rend. Ça m'émeut. Ça me remplit le cœur de joie. Le fait d'être peut-être dans une église, dans la salle de l'église, ça me remplit. Je vois la reconnaissance de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses. Tu peux trouver ton bonheur partout. Ne te promène pas avec les personnes négatives, les personnes qui te tirent vers le bas. Une personne qui ne te tire vers le bas, ma chérie. Faut pas t'accoupler avec eux parce que tu vas te créer des problèmes. Tu vas aller mal pour rien. Ah, marche avec les personnes qui te relèvent, qui te motivent, qui t'encouragent, qui montrent que tu as de la valeur, qui t'estiment et toi aussi qui donnes en retour. C'est écrit aussi dans la Bible. Aujourd'hui, là, je suis partie. Je suis à ma pause, pardon, ma voix est partie. Je suis rentrée à l'église. Regarde, j'ai eu la perle là. C'est le prêtre qui m'a remis. Et chaque perle a sa signification. L'amour qu'on donne, on reçoit toujours en retour. Donc, c'est ce que je me dis. Je me dis que l'amour que je vous distribue, vous me rendez ça dans les commentaires, dans les messages, par vos mots, dans tout ce qu'on fait là. On a le retour. Tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Tu sèmes la peine, tu vas récolter la peine. Tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Donc, l'amour appelle l'amour. Il faut distribuer l'amour, il faut donner l'amour. Pour toi, là, ça ne sera pas peut-être forcément à travers cette personne. Ça sera à travers d'autres choses que tu vas récolter. Donc, il faut être une belle personne. On ne peut pas être parfait, mais il faut être
le côté positif là n'a qu'à déborder parce que Dieu aime ça. Vous avez compris? En tout cas, soyez les bienvenus oh, et puis courage à nous les supporters. Mazo. On aime ça, non? On est mazo, mazo, là, ça fait rien. Hein? C'est vrai, on attendait à planicher. Celui-là, pourquoi celui-là me hait? Tu sais pas ce que tu as fait. La personne te déteste. La personne ne t'aime pas. À cause de cette personne-là, tu as arrêté de vivre. Tu vas arrêter de vivre. Ah, il y a ta famille qui est là. Il y a tes enfants qui sont là. Il y a tes amis. Il y a ceux qui t'aiment. Et ceux qui t'aiment là. Si tu te concentres sur ceux qui ne t'aiment pas, et tu pleures. Mais et ceux qui t'aiment là alors? Il faut rire pour eux. Il faut penser à eux. Si 10 ne t'aiment pas, que 2 t'aiment là. Il faut dire Dieu merci. Hein? Dieu t'aime encore. Là, mais c'est gâté. C'est une grâce. Dieu t'aime. Parce que tu es une pierre précieuse. Tu as souvent oublié qu'on est, des rayons de soleil de Dieu. On est des étoiles. Nous sommes des diamants pour Dieu. Donc ne perds pas ta valeur. Ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas. Relève-toi, souris à la vie. Tu vois une personne qui est en train de te marcher. Tu souris, tu es contente. Tu rends gloire à Dieu pour le souffle de vie. C'est toujours les mêmes choses. Je me répète, mais c'est important. Parce qu'on oublie. Avec le stress de la vie d'ici, avec les problèmes d'ici. Il y a toujours problème d'argent. Il y a beaucoup de choses qui font. Ah, tu es venu à Bengue et tu te dis que tu vas retourner. Depuis, il n'y a pas de situation. Tu dis que tu vas venir faire venir telle personne. Il n'y a pas de situation. Tu dois envoyer l'argent à la famille. C'est dur. Et il y a beaucoup de choses. Il y a les études aussi. Hein? Il y a beaucoup de choses. Si tu veux réaliser un projet, tu as les idées, mais tu n'as pas les moyens. Ou tu as les moyens, mais tu n'as pas encore d'idées. Il y a beaucoup de choses. Chacun a ses problèmes. Il y a des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas se lever, qui sont en Europe ici, qui ne peuvent même pas retourner dans leur pays. Ils n'ont pas cette chaleur-là. C'est difficile. Ou bien qu'ils soient exilés. Mais toi, tu peux voyager, tu peux marcher, tu peux faire ce que tu veux, mais tu te plains. Pardon. Il faut te plaindre. Tu as le droit de te plaindre. Parce que la réalité est là. Mais il ne faut pas t'attarder sur ta détresse. Ne t'attarde pas trop. C'est ce que je dis. Bon, bisous. Et puis, si tu n'as pas encore eu problème dans ta vie là, si tu n'as pas encore connu le chagrin, tu ne peux pas te mettre à la place des autres. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de pleurnicher, mais de pleurer. C'est normal. Parce que si tu es dans la peine, si tu es dans le chagrin, si tu es dans le deuil, tu as le droit de pouvoir te retirer, de pouvoir te retrouver, de pouvoir pleurer, de pouvoir crier à Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que souvent aussi, le malheur frappe toujours les belles personnes. Tu ne comprends pas, tu fais tout pour plaire à Dieu, tu fais tout pour marcher selon les voies de Dieu. Mais c'est comme ça, oh. La vie, là, on est toujours tous appelés à tomber un jour. C'est pour cela que moi, je collectionne les moments de joie, là, au top niveau. Parce que quand je tombe aussi, là, quand le diable te foudroie, là, parce que je me dis, mais pas ça sur le compte de Dieu. Tu es en bas. Et puis, tu regardes quand tu es dans le noir, là. C'est-à-dire que tu es aveugle, tes yeux sont fermés, tu ne vois plus. Et puis, tu regardes la vie des autres, tu te dis, pourquoi ils sont heureux? Pourquoi ils sont heureux? Je suis triste et puis eux, ils sont heureux. C'est injuste. Donc, tu sombres dans le malheur, tu sombres dans la tristesse. C'est pour ça que moi, je fais tout pour ne pas rester là. Tu es là, tu contemples la vie des autres, tu regardes la vie des autres, tout te semble parfait. La vie n'est pas parfaite. C'est ce que je dis là. Je danse tous les jours, mais ça ne veut pas dire que ma vie est parfaite. La vie est bancale. La vie est bizarre, mais je choisis de regarder du côté de Dieu. Je choisis de regarder du côté de la lumière. Je choisis de garder ma foi. Parce que je me dis qu'il y a d'autres qui traversent pire. Ceux qui ont, peut-être qu'on leur dit que demain tu as un mois pour vivre. Ou bien tu as 2 mois pour vivre. Qui sont en train de préparer. Il y a des trucs pire dans le monde. Quand tu regardes les actualités, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc moi, pour mon petit là, quand je regarde, je dis Dieu, toi-même tu sais pourquoi. Et puis je relativise. Donc essaie de relativiser. Surtout quand tu es loin. Quand tu as Bengue, c'est là tu vois la tu te dis que ouais, la Côte d'Ivoire, la chaleur familiale est importante. Le soutien des vrais amis. Les vrais amis, c'est important. Donc, ma soeur, mon frère, ma joie de vivre là, je sais pourquoi j'ai ça. Oh. Je n'ai personne. Oh. Je suis ici, je n'ai personne. Un peu de joie, un peu de pleurer. Plus de joie, un peu de pleurer, un peu de lamentation. Et puis, je vis ma vie, oh. Donc, il faut faire comme ça, oh. Hein. Les enfants, là aussi, quand on dit... On était jeunes, on nous disait, quand les enfants sont petits, c'est un petit problème. Mais plus les enfants grandissent aussi, les problèmes aussi augmentent. Parce qu'ils ont leur...
ils ont leur caractère, ils ont leur identité, il faut les accompagner. Toi-même, tu as été enfant, tu sais. Tu sais comment tu as grandi, comment tu as fatigué tes parents, comment ils ont souffert aussi pour t'encadrer, pour que tu puisses revenir. Donc, tout ça là, on est obligé d'apprendre au pays là. Tu as ton papa, tu as ton oncle, tu as ta tante, tu peux aller demander à tonton de venir parler à ton enfant ou bien à la voisine. Mais ici là, qui? Donc, c'est une réalité. Il y a une réalité qu'on vit ici à Bengue. Et moi, ma petite thérapie que je fais là, c'est de danser. Ça me libère en fait. Et les gens ne comprennent pas. Ils disent, elle est mariée, elle a des enfants, et pourquoi elle danse, c'est une grande personne. Même jusqu'à 100 ans. Jusqu'à 100 ans, je vais danser. Parce que c'est ma thérapie, ça fait que je me porte bien. Ici, là, il n'y a personne. Les blancs, là, sont dans, pas seulement les blancs, même les, tu vois, les Africains aussi qui sont dans la rue, qui parlent seuls, qui ne se retrouvent pas. Parce qu'ils sont restés longtemps isolés. Il n'y a personne à qui se confier. Ou bien ils ont été tellement trahis. Ils ont mis leur confiance en l'être humain qu'ils se sont trahis. Ils sont blessés. Donc, du coup, oui, il y a les Africains. Mais quand un noir voit un Africain, il commence à courir. Tchè, c'est pas, je reste dans ma cuisine pour danser. Je reste dans ma cuisine pour danser. C'est pas mieux. Je ris, je me sens bien. Ou bien souvent aussi, les vendredis, si j'ai passé une bonne semaine là, je m'arrête dehors, je mets la musique. Et il y a des inconnus qui dansent avec moi. Tout le monde, femmes, enfants, les Suédois, ça les amuse. Donc, la joie appelle la joie. Le bonheur attire le bonheur. Ne reste pas trop dans la tristesse. Hein? Ici, là, nous, au pays, là, on ne connaît pas la dépression. Mais ici, là, quand tu arrives en Europe, là, tu entends le mot, là, souvent. Et effectivement, ça existe. Et c'est terrifiant. Parce que le stress, la dépression peut emmener au suicide. Ça peut emmener à beaucoup de trucs. Donc, les gens qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, là, c'est pour pouvoir, il y a des pages où il y a d'autres qui, il y a des clashs. Il y a des pages aussi où il y a la joie. Il y a des pages aussi où il y a la comédie. Il y a différentes pages. Donc chacun va où il veut. Mais moi, en tout cas, je me dis que si les réseaux sociaux, si on se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est pour oublier nos problèmes. Oh. La réalité, elle est trop. La réalité est trop. Donc, c'est mieux de profiter quand tu te retrouves sur les réseaux sociaux. Là. Va où tu vas. Tu vas te sentir bien. Tu vas apprendre quelque chose. Par exemple, je peux vous recommander les pages où je me dis que le guerrier d'Afrique noire, sa page est très, 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 très bonne. Coach Sonia, elle enseigne très, très bien. En tout cas, allez sur Flash Magazine. Il y a attachement là-bas, mais c'est chez nous. C'est la vie. Il y a la vie, il y a la joie. Les gens se provoquent, se taquinent. Il y a l'amour. Va sur les pages qui peuvent t'apporter, qui peuvent t'emmener. Vanessa Cachero, elle fait de belles choses. Qui peuvent t'apporter, qui peuvent t'édifier, qui peuvent t'emmener. Personne n'est parfait. Il y a d'autres pages que j'ai oubliées, bon, en fait, que je n'ai pas citées. Mais il faut choisir tes pages. Mais des pages où tu as ton énergie pour aller commenter, aller insulter. L'autre, là, elle est bien aussi. Celle qui chante maintenant. Enus Dion. Elle chante maintenant. Encouragez-la, elle fait de belles choses. Il faut se soutenir. Au lieu de toujours appuyer les gens il faut les encourager. Yves Hidero, il y a beaucoup de belles personnes qui inspirent. Donc, tu peux te servir aussi pour pouvoir faire quelque chose aussi de ta page. Au lieu de rester là, peut-être à toujours voir le négatif partout. Tu peux donner des conseils, mais sans blesser. Moi, par exemple, les gens parlent beaucoup de mon sexinine. Mais mon sexinine, là, c'est depuis que je suis petite. Chacun vient avec son identité. On a une autre identité. Ma maman a parlé jusqu'à ça, là. C'est comme ça. C'est resté. Donc, je suis comme ça. Je ne peux pas changer, oh. Donc, vous voyez, non. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, choisissez des trucs qui peuvent vous apporter. Quand vous regardez, vous dites, ah, je me sens bien. Mais tu as réel quelque chose qui ne va rien t'apporter, qui ne va rien te truc. C'est au contraire, même si ce sont des injures, tu vas te tirer encore des ennemis. Dans la vie réelle, tu as des ennemis. Dans la vie virtuelle, encore, tu vas te créer des ennemis. Hein? La Camerounaise aussi, elle est bien. Elle fait du sketch. Enfin, vous trouvez des trucs qui vous apportent, qui vous inspirent, qui peuvent faire que vous pouvez ouvrir vous-même votre propre page. Un commerce, quelque chose, réaliser, quelque chose de bon en tout cas. Donc vraiment, aimons-nous les uns les autres, aimons-nous vivants. C'est pas mieux. Bon, je parle trop. À couper. Et puis j'espère que je vais réussir à partager cette fois-ci là. On ne change pas pour les autres, tu vis pour toi, ta vie là. C'est une seule vie, il n'y a pas deux. C'est ta vie. Quand tu tombes là, tu tombes. Et c'est quand tu tombes là, tu tombes avec quelqu'un. Tu tombes toi seul. Ah bon. Donc il faut profiter de ta vie. Il y a les gens qui vont te dire, non, tu as 50 ans, tu es vieille, pourquoi tu marches avec, tu fais ça. On peut faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Mais il n'est jamais tard pour pouvoir se ressaisir.
Il n'est jamais tard pour pouvoir se reconstruire. Dieu est le Dieu des premières chances, il est le Dieu des secondes chances. Il est le Dieu même des troisièmes chances. Il est le Dieu qui pardonne tout. Il est le Dieu qui oublie. Toi, tu n'oublies pas. Mais Dieu pardonne. Il peut t'aider à te reconstruire. Il peut t'aider à te remarier. Il peut t'aider. Il peut t'aider dans tout. Il fait ton miracle. Il va faire ton miracle. Dans tous les sens du terme, dans tous les domaines de ta vie. Hein? Il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Il ne faut pas avoir peur de commencer quelque chose. Le sentiment de peur là te freine, te paralyse. Dans ton foyer, surtout quand tu es marié à un blanc, les blancs là, vous qui voulez marier blanc aussi, j'ai fait une vidéo dessus. Les blancs ne sont pas faciles à vivre. Si tu ne fais pas attention là, tu vas couper avec tous tes amis, tu vas couper avec tes parents même. Donc c'est stratégique. Il t'a pris au pays là. Il t'a pris qu'elle allait te prendre là. C'est par rapport, il t'a vu, tu avais une famille. Le mode de vie et notre mode de vie là, c'est différent. Tu dois le respecter, tu dois l'écouter. Mais tu dois aussi avoir aussi ta raison aussi de marcher. Mais tu dois le respecter parce que c'est lui qui t'a fait venir. Tu dois l'aimer. Si tu te maries avec lui, c'est par amour aussi. Donc, tu dois le respecter. Vous avez des enfants, même là, non, tu dois être soumise par rapport à tes enfants. Les décalés coupés là, ça se passe dans la cuisine. Ah, tu as prié Dieu, dit tu veux marier, on t'a donné mari, tu ne veux pas rester à la maison. Tu es toujours parti. Qui va s'occuper de tes enfants à la maison? Qui va les élever pour toi? Les enfants d'ici grandissent vite. Si tu ne fais pas attention là, tes enfants seront ratés. Parce qu'à partir de l'âge de 14 ans, les enfants là, ils sont... C'est un âge qui est délicat. Donc il y a beaucoup de choses. Je veux blanc, je veux blanc, je veux blanc. Je vous dis toujours, vous regardez toujours sur le virtuel là, c'est tout brille. Peut-être vous me regardez, vous dites, oh, Alice a une belle vie. Moi-même, je ne suis pas parfaite, parce que dans un couple, je dis toujours, on est deux personnes aussi. Oh, le blanc, il est gentil. Certes, il est gentil, mais tu as une famille, tu veux envoyer l'argent à la famille, vous devez partager tout. J'ai déjà tout expliqué, je n'ai pas tout expliqué, mais vous avez partagé tout. Pour toi qui reste là, si tu veux envoyer ta maman, si tu veux envoyer ton frère, si tu veux aider, il y a toujours une petite discussion derrière. Parce que vous mettez votre argent ensemble pour pouvoir subvenir aux charges de la famille. Il y a beaucoup de choses en fait. Et donc chacun cherche sa vie quand il veut, comme il peut. Non, ne regarde pas la vie de l'autre pour te rendre malade. Dieu t'a mis t'a accouché en bonne santé. Je mélange les sujets comme d'habitude. Dieu t'a accouché en bonne santé. Ne regarde pas la vie de quelqu'un. Tu peux t'inspirer de la vie de cette personne. Mais ne regarde pas la vie de la personne pour te rendre malade. Ne regarde pas la vie de cette personne pour être jalouse. Ne regarde pas la vie de cette personne pour être sorcier ou sorcière. Regarde et vois comment cette personne peut t'inspirer. Moi, à travers mes tenues africaines, il y a d'autres qui ont commencé aussi à vendre des tenues, à exporter aussi les tenues africaines ici. Et c'est une très belle chose. Tu vas faire quelque chose, ta camarade te dit, ah, elle est jalouse de toi. Pas parce que forcément qu'elle est jalouse. Elle regarde le côté qui est positif sur toi pour pouvoir s'inspirer de ça. Donc, ne regarde pas la vie d'une personne pour pouvoir te rendre malade. Regarde ce qui est bon. Et il y a d'autres aussi, quand tu regardes sur le face aussi, il y a aussi de ma toute vue, regarde, moi j'ai une belle vie, et mon mari a ça, j'ai ça, j'ai reçu dans ma vie, et toi. Il y a des gens qui font ça. Mais moi je fais parce que moi-même, là, j'ai toujours aimé la joie depuis que je suis petite. Ceux qui me connaissent, parce qu'il y a beaucoup qui ont grandi avec moi qui me connaissent, ils vont témoigner. J'ai toujours aimé la joie, j'ai toujours été comme ça. Mais en même temps aussi, je suis contente de mon parcours parce que j'ai mérité ça, hein. On ne se construit pas un jour. On se construit tous les jours, petit à petit. Tu tombes, tu te relèves. Tu sais ce que tu veux. Souvent, tu ne sais pas. Mais au fil de... Avec les problèmes de la vie, l'expérience de la vie, tu te construis. Et puis, ça devient quelque chose de beau. Donc, ne regarde pas. Regarde, quand tu me regardes là, il faut regarder ce qui est bon. Je ne suis pas parfaite, mais regarde ce qui est bon. L'école, si tu es dans une... Tu vas à l'école vraiment, vraiment. Concentre-toi sur tes études. Ton école, là, c'est laquelle ton premier mari. Si c'est la couture aussi, c'est laquelle ton premier mari. Parce que si tu as quelque chose là, tu peux t'en sortir. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées. Tu ne sais pas, moi, il y a des amis qui m'appellent, qui me disent, hey, Alice, je t'aime trop, je ne peux pas laisser de commenter, donc je préfère t'appeler. C'est tellement beau. Mais malgré ça, peut-être les personnes même qui n'ont pas été à l'école, il y a d'autres qui n'ont pas été à l'école, pas parce qu'on n'a pas voulu, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Ce qu'elles gagnent là, c'est plus que toi-même qui as eu tous les diplômes aussi. Parce que Dieu ne les a pas donné l'intelligence de l'école, mais il leur a donné l'intelligence de la vie.
C'est pour ça que nous tous on se complète. Il faut pas sous-estimer les personnes autour de toi. Il y a des personnes qui partent pas à l'école, mais Dieu leur a connu notre intelligence. Donc vraiment, il faut s'aimer sur la page, sur la toile. Il y a une dame aussi, la DS Collection. Moi, elle me plaît. Oui, c'est une femme qui se bat comme elle peut, même si elle ne s'exprime pas comme nous tous. On est partis à l'école, on pond trop. Aïe, on pond. Elle a pu réaliser. C'est qu'elle a même, nous-mêmes, on travaille dans les institutions, on n'en a pas. Moi, j'ai dit, oh, dans l'institution où il travaille avec ses vestes, ça, on s'habille simplement, c'est joli. Ça l'est là, c'est petit comme ça. Ça ne va pas quelque part. Il y a des gens qui font les travaux avec leurs mains, qui gagnent plus, qui ont de la valeur. Mais peut-être qu'ils sont un peu effacés, ils sont un peu retirés parce qu'ils se disent, ah, je travaille avec mon corps, je travaille avec mes mains, donc ça n'a pas de, ça n'a pas de valeur. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Donc, pardon, il ne faut jamais oublier que tu es un but, précieux sur cette terre-là. Tu as de la valeur. Nous tous ceux qui sommes sur cette terre-là, on a de la valeur. La vie n'a pas été facile pour moi. La vie n'est pas facile pour toi. Mais à force de se battre, on y arrive. Tu es enfant de pauvre, c'est ce que je disais la dernière fois. Tu es enfant de pauvre. Tu te dis, je suis enfant de pauvre. C'est vrai, c'est une réalité. C'est plus difficile pour toi. Mais ta faiblesse, là, toi, t'as amené même encore à te battre. Ça doit t'amener même encore plus te battre pour pouvoir avancer. Parce que si tu ne réussis pas là, tu es quoi? Tu n'es plus rien. Enfin, pas que tu n'es plus rien, mais je ne sais même pas comment expliquer. Tu as la chance d'aller à l'école. Il y a des gens qui sont au village qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Il y a des gens même qui sont au village, même peut-être, mais ils ne pensaient même pas un jour même qu'ils allaient venir en Europe. Mais tellement que Dieu a un but pour eux là, ils sont arrivés en Europe. Et Dieu continue de les élever. Donc, c'est pour te dire que tant que Dieu ne t'a pas encore donné le souffle, tu n'as pas encore enlevé le souffle de vie, il faut croire en toi. Être pauvre, là, c'est difficile, mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux te construire, tu peux t'en sortir, tu peux réussir si tu as Dieu dans ta vie. Si tu as Dieu dans ta vie, tu crois en Dieu. Les orphelins réussissent. Tu n'as plus ton papa, ta maman. Dieu mettra toujours des personnes sur ta voie. Abidjan, là. À partir du troisième, là, je me rappelle, hein, mes études là. Arrivé un moment là, tu es démotivé, tu es découragé parce que rien ne te réussit, ou bien peut-être que tes parents ne te comprennent pas. Tu as l'impression que les parents ne te comprennent pas. Quelqu'un peut faire quelque chose, on peut t'accuser même pour quelque chose que tu n'as pas fait, tu ne comprends pas. Ah, elles sont trop haut, elles marchent avec les personnes âgées haut, elles font ça haut. Mais tu te dis que toi-même là, mais tu ne comprends pas, tu es découragé. Mais Dieu peut passer par d'autres personnes. C'est pour ça que je me dis que Djoulao, Baouleo, Guéreo, Wobeo, toutes les langues ont l'important. Parce que toi, tu peux être Agni, c'est un Djoula qui peut t'aider. C'est un Bété qui peut t'aider. Tu ne sais pas, ce n'est pas tes propres parents. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est aimé vivant. Tu es pauvre là, tu n'as pas le choix. Il faut te battre, tu vas réussir. Comment te battre là? C'est toi ce qui connais. Tu as toutes les armes. Quand Dieu nous met au monde là, Dieu a mis notre étoile, chacun son étoile. Chacun, Dieu a déjà tracé nos destins. Des frères et sœurs, Dieu, il ne faut pas... Hein? En toute chose, il faut mettre Dieu, hein? En toute chose, il faut mettre Dieu. Tu n'as pas Dieu dans ta vie, là, c'est que tu ne vis pas. C'est que tu n'es rien. En toute chose, là, tu dois avoir Dieu. Suis-toi en Bengue où on est là. Tu n'as pas Dieu dans ta vie, là. Tu n'as pas de vie, hein? Il faut avoir Dieu dans ta vie. Moi, je mélange les sujets, là, mais bon... J'espère que vous avez compris l'idée générale. Je danse seulement, hein. Mais je sais ce que je fais. Donc, prenez soin de vous. Et puis, bisous. Et tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a des gens, hein, qui sont nés avec... C'est-à-dire que leurs parents ont tout, ils ont eu tout facilement, qui ont une vie vraiment, vraiment de rêve. Ah, tu peux regarder, tu peux envier petit, mais pas trop. Parce que où ta main n'arrive pas là. Si à force de regarder, là, tu vas aller voler, tu vas aller te prostituer, tu vas faire de sales choses, tu vas te souiller, tu vas te salir. Il y a des gens, ils ont déjà tout haut. Il y a des gens aussi, par exemple, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, là, ils répondent à chaque fois ou bien qui mettent les posts à chaque fois. Tu te dis, ah, cette personne est intelligente, cette personne connaît où. Cette personne a peut-être qu'elle a des personnes autour d'elle qui l'aident, qui la coachent, qui écrivent pour elle, qui mettent les posts pour elle. Toi, tu vas te regarder, tu vas te mettre sur les réseaux sociaux pour te dire que tu as fait ça tous les jours. Et ton travail, c'est qui te donne à manger? Ton travail dans la vie réelle,
ta vie rien dans tu te regardes sur virtuel pour pouvoir vivre pendant que la réalité est là. En tout cas, il y a beaucoup de cas. Choisissez ce qui est bon dans ma vidéo, les plus vous prenez en tout cas. Je vous aime. Et puis vraiment, merci pour tout l'amour. Je reçois beaucoup d'amour. Je reçois beaucoup d'amour même, vraiment. L'amour là, c'est ça qui fait que ça me remplit et puis j'arrive à distribuer. Parce que si tu n'as pas l'amour en toi, tu as distribué ça comment? Quand tu as distribué, tu te vides. Donc tu dois être bien là. Tu dois être bien là et puis distribuer. Et puis commencer dans ta maison. Ça peut pas être à... Tu dois commencer à donner à tes proches. Et puis à partir de là, tu distribues. Tu distribues. Parce que toi-même, tu dois prendre soin de toi. Tu dois prendre soin de ton temple. Tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois prendre soin de ton esprit. Tu dois prendre soin de ton corps. De ton cœur, pardon. Et puis à partir de là, tu distribues. Mais tu n'as pas beaucoup. Petit que tu es là, il faut essayer d'équilibrer. Il faut essayer d'équilibrer. Et puis après, tu vas distribuer. Parce que tu dois être bien. Tu dois être bien spirituellement, tu dois être bien mentalement. Tu dois être bien dans le cœur. Ça ne peut pas être en ça pour ça. Oh. Foyer. Je vous ai déjà fait le coup de foyer là, non? Ah. Bon. Bisous. En conclusion, ne pas envier. Tu peux envier un peu. Pas beaucoup, un peu. Parce que c'est la nature de l'homme. Aïe. Tu regardes, tu te dis à la personne, oh, elle est bien, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir faire ça? Qu'est-ce que je peux faire? Oh? Toi, tu dis, tu veux blanc. Tu veux blanc, mais tu n'aimes pas qu'on t'embrasse les matins. Tu dis blanc, n'embrasse pas sa bouche. Le soir, avant de dormir, on se brosse les dents. Donc, le matin, quand on se lève là, ah, on peut s'embrasser, pourquoi pas, on peut s'enjailler. Aïe. Donc, il y a beaucoup de choses. Tu veux blanc. Bon, ça serait un autre sujet. Allez. Et puis, la vie, là, ce n'est pas une course. Les 5 doigts ne sont pas pareils. Oh. Tu as vu, il y a des gens qui sont derniers des classes. Ils sont derniers des classes. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, là, quand tu les vois dans la vie, là, tu ne peux pas même leur dire bonjour. Dieu a changé leur destin. Comme il y a des premiers de classe qui sont les derniers. Donc, c'est Dieu qui choisit. Oh. C'est Dieu qui bénit. Oh. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Mais si tu vois le bonheur de quelqu'un, il faut remercier Dieu pour la vie de cette personne et puis demande à Dieu de te donner. Mais si tu es jaloux de cette personne, tu vas enlever ta petite grâce que tu as là pour donner en quoi à cette personne, pour augmenter la grâce de cette personne. On peut te faire du mal, hein? Tu vas pleurer, mais Dieu va toujours te relever. Quand ton ennemi va te voir, il va dire, mais cette personne, elle fait comment même? Il y a les gens qui m'écrivent, qui me disent, quand on commence, on dit, Alice, même où tu enlèves ta joie de vivre? Il dit, ma joie, là, c'est Dieu. Parce que ceux qui sont en Europe, ils connaissent la vie d'ici. Aïe! La vie de Bengue. Mais si je n'ai pas cette joie-là, ça ne peut pas aller. Mais je dois vous dire aussi la vérité. Souvent, il y a des vidéos qui ne sont pas actuelles, en fait. Les vidéos, peut-être, j'ai fait l'année passée ou l'année suivie passée. Voilà, je regarde. Facebook me rappelle que voilà, j'ai des vidéos. Ou bien, enfin, je regarde dans mes trucs, je vois les vidéos. Je dis, tiens, et puis je partage. Et pendant ce temps, je suis en train de m'occuper des enfants. Ou bien, je suis en train de m'occuper de ma famille. Ah, souvent aussi, je n'ai pas le moral, oh, tiens. Quand tu te rappelles d'où tu viens, tu te rappelles de tes problèmes, tu te rappelles des réalités de la vie, tiens. Ah, tu te rappelles ton mari aussi. Bon. Si souvent, mon mari, par exemple, il a sa propre société, mais ce n'est pas tous les jours ça va. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est à moitié, vous êtes obligé de vous soutenir. Souvent, c'est difficile. Donc, quand ça fait comme ça, là, tu es obligé de te retirer un peu, de te recueillir un peu, de prier un peu, de demander à Dieu. Pardon, il faut regarder son truc, oh, ça n'a qu'à marcher. Oh. Donc, la vie, là, c'est moi-même. Moi-même, c'est passé ici, Jojo, il me fait comme ça. Je vous partage, oh. Je ne veux pas mentir. Je ne veux pas vous mentir. La vie, là, c'est comme ça. C'est difficile. C'est difficile. Faut t'accrocher. Faut pas regarder la vie de quelqu'un pour voir ta joie de vivre. Faut regarder ce qui est bon. Tu regardes ce qui t'apporte, ce qui est positif sur l'internet là. Puis tu vas regarder pour pouvoir avancer. Oh. Bon, je vous parle comme des frères et des soeurs. Oh. Je vous cache rien. Oh. Tchè. À couper. Oh. Il y a trop parlé aujourd'hui là. Et encore merci pour tous ceux qui m'aiment. Et je vous aime très fort. Mais mon défaut, je sais pas si c'est un défaut, mais j'arrive pas. Moi, je parle non. Vous pouvez écrire, vous écrivez, mais pour répondre là, c'est beaucoup. Je n'ai personne. C'est beaucoup, je lis, mais pour pouvoir répondre à chacun. Je commence à répondre quand j'arrive au milieu. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Moi, mais il y a le suédois que je ne comprends pas. Je dois apprendre à bien parler. Je parle, mais pas bien. Ça ne peut pas être comme les suédois, mais quand même, je dois me rapprocher. Donc, vraiment, il y a la réalité. Donc, je n'arrive pas à vous répondre. Je ne peux pas. C'est difficile. Même que je sois de bonne foi, comment, je ne peux pas. Je m'en sors pas. Quand je serai peut-être bien star, là, j'aurai une assistante. Mais quand tu as une assistante aussi, là, peut-être que même
Les gens vont t'écrire. Tu auras de belles personnes, tu ne pourras pas voir. Bon, peut-être qu'elle va me montrer, je ne sais pas. Mais c'est difficile. Pour l'instant, là, je n'ai pas. Je fais tout de moi-même. Donc, vraiment, les vidéos, les montages, les je fais tout de moi-même. Donc, c'est difficile. Et puis, mes enfants me maîtrisent. Les enfants me maîtrisent, c'est difficile. Il y a deux garçons. S'il n'est pas la joie, il a fait comment? S'il n'est pas la joie de vivre, là, il a fait comment? Il doit avoir la joie de vivre pour pouvoir tenir. Garçon, il doit avoir le moral. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse et puis soyez indulgents. Ce n'est pas parce que je fais le malheur ou parce que je ne veux pas vous répondre. Souvent si je rate, je sais que je rate tellement de bonnes opportunités, de belles personnes qui m'écrivent. Mais peut-être tu écris à une personne, tu commentes ses vidéos, puis au final, je ne te réponds pas. Il n'y a pas dessus, ça décourage. Pardonnez, soyez patient, mais ne vous découragez pas. Pardonnez à cause de Dieu. À cause de Dieu, c'est du fond du cœur, moi-même j'ai envie de vous écrire. Mais c'est difficile, oh. C'est difficile de... Donc vraiment, que Dieu vous bénisse, oh. Et puis merci à ceux qui tiennent le coup avec moi. Et puis, mes blocages, respectez mes blocages. Ma ceinture de sécurité, respectez mes blocages. Parce que mes blocages là, c'est vraiment vrai, ça revient de loin. Ma joie de vivre me vient de Dieu. Et puis, à couper, oh. Et donc, à plus.